Pas de... Ça ne tire pas, hein, ça ne peut pas. Le travail qu'on a un peu au vivre là, c'est un travail pénible quand même. Ce bois là, il est trop... Hein? Il ne tient pas. Hein? Tiens, il y a un paco là. T'appelles. Mais hier, tu as laissé là devant la porte là. Oh, tu as oublié. Tu sais pas. Je dis tout, il faut contrôler tes choses. Tu as laissé ça. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Comment tu vas? Non, ça va bien? Oui. Tu vas pas au champ? Non, je vais à la boutique là. Ah, mais attends. Mais j'ai laissé ce mot. Je ne peux pas comme ça aller au champ. Hein? Moi, voilà, bonjour. Ah, bonjour mon frère, comment tu vas? Tu as l'air de tenir compagnie quand même? Non, je vais à la boutique. D'accord, donc il t'attend. Donc nous on s'appelle comme ça, on s'en va. Hein. Ah, ouais, donc on va faire vite. Va te faire ta mort. Il y a quoi? Regarde que ton portable. Attends. Hey, yo. Ouais. Comment? Ça va un peu? Ouais, ça va. Mais où est-ce qu'on va? Mais, je partais chez toi comme ça. Mais quel problème? T'aimes tout ça, ça coûte ton vin de pas moi, il partait comme non, ça. Non, mon ami, depuis plusieurs, t'as fini, mais pas fini depuis hier. Comme c'est qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. On doit aller au champ. Hein, mon ami, on doit aller au champ. Aussi, il y a une sauté pour du village. On dit non, il va les épargner. Donc, il n'est pas bon, on partait au champ. Il n'est pas bon, moi, je vais à la boutique à mon retour. On voit ça, mon ami. Il y a compris. Mon ami, il pleut, hein, il veut pleuvoir. Il n'y a pas de problème, non. Allons, il y a un homme, ça vient. Non, il n'y a pas de problème, allons, allons. Donc, dis pas, puis on s'en va. Mon ami. Okay. Ah. Y'a quoi ton portable sonne? Oui, mais envoie-moi ça. Allô? Non mais, allô? Pourquoi tu décoches mon portable? Allô? Oh, tiens. Toi t'aimes tout ça, pourquoi tu décoches mon portable? Ah pardon, faut parler maintenant. Allô? J'aime trop parler. Allô? Ah. Oui, allô? Attends, je t'entends pas. Allô? Oui! Oui! Wow! Oh Seigneur, merci! Dieu merci! Eh hey, Dieu merci, aujourd'hui je suis bonjour, sauvé. Bonjour. Allô? Oui, eh hey, Dieu merci. Oui, ton mari, Dieu merci. Oui. Je suis sauvé. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Allô? Oh, faut attendre. Allô, c'est quoi? Il y a quoi comme nouvelle là-bas? On dit quoi? Mon fils. Tom, quel mon fils? Mon fils. Quel fils? Il est mon fils. Quel fils? Il a fait quoi? Mon fils. Il a fait quoi? Mon fils est qui? Mon fils JB. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mon fils JB. Mon fils JB. Je suis sauvé. Seigneur. Oui. Il est devenu quoi, DG? C'est pas mon fils. Oui. Tu l'as eu où ça? Ah, où là, toi, tu étais dans le village voilà, tu as eu ce fils. Il parle de mon fils JB là. Comment il s'appelle? Mon fils JB. Oui. Toi, tu as un fils dans ce village là. Oui, mais le fils de mon frère. Quand même, le fils de mon frère. C'est pas ton fils, c'est mon frère. Ah. Demain, il ne faut pas pleurer ici dans ce village. Hein. Pourquoi tu me dis ça? Je te dis la vérité. Quand ton même. Fils, tu n'as pas eu un fils dans ce village. Tu es jaloux. Non! Je ne suis pas jaloux. J'y vais, c'est mon fils. C'est ce qui va se passer demain. Tu n'as jamais engendré un fils ici. Tout le village, même, t'insulte ici. Depuis quand toi, tu as eu un fils ici? Hein? Faut pas faire pleurer les gens ici. Les gens vont se moquer de toi dans ce village. Hein? Mais ça, je te le dis. Faut faire attention. Hein? Tu n'as jamais fait d'enfant ici. On n'a pas connu un enfant sur ton nom. Tu as compris? Faut pas faire pleurer les gens dans ce village-là. Tu es vieux, depuis des années, on n'a jamais vu ton enfant ici. Et l'enfant de ton frère, tu as été jubilé. Demain, quand il ne va plus t'envoyer, il ne va pas te donner 5 francs. Tu vas dire, mon frère, il ne me donne pas 5 francs. Tu as un enfant ici. Je suis en train de te parler, tu me donnes ton dos. Si je suis content pour la vie de mon fils. C'est pas ton fils, mon frère. C'est pas ton fils. L'enfant de ton frère, c'est ton neveu. Mais celui que toi, tu as engendré là, c'est ça qui est ton fils. Ce n'est pas ton fils. Tu as été jubilé, pourquoi? Hein? Faut faire attention, hein? Dans ce village, on se moque de toi, mais tu ne le sais pas, hein? Faut pas me faire pleurer ici, hein? Regarde-moi ça. Hein? Tu as un enfant ici? Tu sais comment on fait un enfant? Mademoiselle, mais ça ne va pas chez vous. Je voulais vous dire que... Mais vous vous prenez pour qui? Mais si vous, je vous ai dit que je suis une mademoiselle. Mais franchement... Je dit que... Oh, pardon, là. Je vais. Elle t'a gagné de... Ah ouais, non, là. Elle t'a gagné de... Bonjour, grand-mère.
Ouais, mon petit. Ouais. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ah bon? Tu vas où là? Je vais faire quoi? Ah ok, ton frère? Il est à la maison. D'accord, je te salue. Allez, je te disais quoi? Ici là c'est Abidjan. Donc intérieur là c'est pas dans même Abidjan. Non. Ou bien toi tes piments ça quitte en Europe ou bien. Écoute, je dis ici là c'est Abidjan, c'est le marché. Non. La vie coûte cher, tu sais pas où. Non. Bonjour. Ah non là-bas, c'est là tu parles seulement. Désormais, tu connais maintenant le marché, tu viendras toute seule. Madame, c'est pour nous les feuilles là, non? D'accord. Merci beaucoup. Là, le marché n'est pas compliqué. Ça, c'est quand? Ça fait quoi? C'est tout, madame. Tiens. Et je ne peux pas t'appeler à 1h du matin ou minuit. D'accord. Ça te réveille de payer tout ça. Mais tu as fait quoi hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? J'étais avec des amis et ensuite il y a des partenaires qui ont fait tout ça. Oui. Mais excuse-moi, je vais entrer dans les toilettes. Ok, d'accord. D'accord.
Comment vas-tu? Ah bien ma chérie. Franchement toi aussi tu m'as manqué. Mais écoute, je suis au glacé avec Mathieu. Je dis pas ma copine, il est beau, c'est un cadeau du ciel. Une vraie merveille. Ah merci ma chérie. Écoute, mais demain on ira chez lui si tu le veux bien. D'accord. Écoute, ne quitte pas. Je te le passe. C'est qui? Oui. Sabine, ma meilleure amie. Y'a le Sabine? Comment vas-tu? Oui, la soeur jumelle de ma chérie. Ça va bien. Oui, vous venez chez moi demain, c'est bien ça? Bien, pas de problème. J'ai tellement hâte de faire ta connaissance. Ok, allez, bisous. Prends soin de toi demain. Allez, ciao, ciao. Allô, ma chérie. D'accord. On se dit à demain. Ok. Bisous, bisous. Bye. Mais tu as mis du temps. Hein? Oui, il faut t'en. C'est pas juste un petit bobo là. Non. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez nous renouveler la consommation? Non, bébé. C'est bon pour moi, chérie, c'est bon. Tu prends plus rien? Ça va? Oui, ça va, c'est bon pour moi. Bien. J'ai juste un tour à faire à l'église et puis bon. Ah, pas déjà, bébé. Attends un peu. Non, écoute, j'ai juste j'ai un cours biblique, j'ai une répétition. C'est juste à l'église. Ok, ben c'est pour Dieu, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est plus j'aime chez toi, chérie. Voilà. Ok, allez. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir là? Parce que vraiment, j'ai urgemment besoin de toi. Ok. La dernière fois là. Oui, mon oncle là, sa femme et une troisième personne que je n'arrive pas vraiment à identifier. Quoi? M'ont poursuivi en rêve. Ils ont failli me tuer. Tu dis quoi? Je te dis voilà, je t'avais demandé de ne pas annoncer cette bonne nouvelle au village, tu vois. Bon, là je fais comment maintenant là, présentement je fais comment? Bon là frère, moi je te conseille en tant qu'ami de voir un prophète. Oh, encore ces histoires là. Mais c'est les mêmes là? Non, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Mais je te conseille qu'il y a des bons prophètes qui peuvent résoudre ton problème. Je te conseille d'aller voir un prophète, mon frère. S'il vous plaît, patron, il y a quelqu'un pour vous au bureau. Ok, dis-lui que j'arrive. Ok. Ok, donc frère, tu restes calme. Après, on ira voir un prophète. Ok. À tout à l'heure, frère. Bon, on se voit après. Thank you.
que Jésus t'aime. On ne peut pas dire à Jésus parce que je pense qu'on est quelqu'un à qui s'approcher, qu'un jour on puisse voir le ciel. Donc, on va chercher à trouver ta vie à Jésus, qu'un jour aussi tu aies le ciel. Comment que Dieu te bénisse. On vous invite ce soir à la prière, d'accord? Venez, le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. En fait, je voulais savoir, l'église est située où? L'église est située à Djamé, 220 logements. Mm-hmm. C'est l'église de la bénédiction. D'accord, donc vous venez là, c'est pas caché, vous êtes au 220 logements, au rond-point. Oui. Vous demandez à n'importe qui l'église de la bénédiction, c'est juste à côté. Et vous venez, on va prier ensemble. Je crois que le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. Mm-hmm. Ok. Ça, chérie, mm-hmm. C'est ici, chez Mathieu. Nous sommes arrivés. Wow, c'est joli, Claude. Je dis la chérie. Ah bon? C'est moi qui l'attends pour une famille, vraiment être le bon grand. Nous attendons que votre histoire là, c'est sérieux. Oh, chérie, c'est ça, c'est juste. Ah, ça allait être beau. Tu as gagné un gros nom, ma soeur. D'accord. Comment vas-tu, chérie? Mathieu, Sabine, Sabine, Mathieu. Merci. Allez, venez. Allez, salut. Merci. Ma chérie, c'est ici. Mais je vais prendre un peu d'eau. Non, écoute, chérie. Oui? Ma chérie, tu t'installes, je reviens. Tu es prêt, je m'occupe de toi. On va le faire ensemble. Écoute, Sally. Donc maintenant, c'est ici, je suis Mathieu. Mais franchement, c'est un beau cadre aussi. Oui, ma chérie. Franchement, ma chérie, j'ai de la chance. Chérie, pourquoi tu fais la vaisselle tout de suite? C'est juste pour mon mari. Oh, ça, je suis pour mon mari. Mais c'est pas encore ça. Ma chérie, c'est gentil. Ici, je suis Mathieu. Donc, voici mon Mathieu. Mathieu, sa vie, dont je t'avais parlé, ma meilleure amie. Oui, ça. Alors, je vais vous montrer. Au plaisir. D'accord. Ok, mon chéri. Écoute, alors. J'allais juste voir la cuisine pour voir un peu la vaisselle et tout. Tu as besoin de. D'accord. Ma chérie. Ok, à tout à l'heure. Au content. Bonjour les filles. Bonjour les petits. Ah, comment tu vas ma chérie? Je vais bien ma chérie. Bonjour. Oh, tu es toute belle. Merci. Attends, laisse-moi te regarder. Oh, mais tu es belle ma chérie. Ma chérie. Désormais, ça sera comme ça. Attends, comment ça? Ma chérie, c'est Mathieu qui fait ça. Quel Mathieu? Mon Mathieu là. Attends, ton Mathieu que tu m'as présenté là, le gars là. Oui. Attends, tu as gagné au loto ou bien? Non, ma chérie, désormais, je te dis que ça sera comme ça. Non, mais je comprends pas. Parce que tu trouves pas que tu es en train de trop vite partir là. Non, il m'a même présenté à sa mère comme ça, comme ça. Il t'a présenté à sa mère bien comme sûr, ça, ma chérie. Si, ma chérie, tu vas trop vite, hein. En tout cas, moi, si je peux te donner des conseils, c'est juste de dire que j'ai eu un homme pareil comme ton Mathieu. Quelqu'un qui me donnait tout, je manquais de rire. Et un bon matin comme ça, il a disparu.
Donc tout ce que je peux te dire, vas-y doucement. Hein? Franchement, ça ne me plaît pas trop. Pourquoi aller doucement? Non, Zabé, mon Mathieu n'est pas comme ça. Écoute, il dit toujours qu'il m'aime, il va me dire. Ces garçons d'Abidjan, tu veux écouter. Oh, franchement, hein. Regarde. Non, ma copine, franchement, faut. Regarde. Oh, pardon. Lili, pardon, je suis un peu occupée, tu vois, non? Hmm? Après, on verra ça. À chaque fois, vite peigner les cheveux là. Après, on va voir ça. Faut brosser des gants ici là. Faut bien peigner. Le couple là c'est beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? Le nez avant la honte. Ne venez pas nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Mia Pastaline, la sœur de l'autre. David et la Mipsa, écoute-moi ça. Votre traversée, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Dans les belles, ça la lampe, on a mari, c'est mauvais. Mais les bonnes amours, on a boumé, on a mané, 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 on a